Eh bien salut à tous, c'est Schizofaf. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour les moutons. Donc les moutons, il n'y a pas très compliqué, ça va super vite à s'en occuper. Donc ce qu'il faut, c'est mettre de l'eau ici. Faire en sorte que leur auge soit toujours nettoyée, toujours propre. Hop là, je me faille. Leur prendre du foin. Donc soit vous le stockez comme ça, hein, soit vous le stockez différemment. Donc on va faire comme si je les nourrissais comme d'habitude. Hop, je vais prendre la tonne à eau. Voilà. Donc niveau rentabilité, les moutons très peu besoin de nous en fait. Donc il y a vraiment, comme tu dirais, pas besoin du tout. Hein. Vous lui remplissez un coup d'eau, vous ramassez de temps en temps ce qu'il y a par terre, vous remettez de l'herbe et vous vous retrouvez avec un taux de 100% de production. Et en plus, vous vous retrouvez à dire que ça rapporte un max dessus. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, regardez. Donc productivité, je suis à 92% parce qu'en fait, propreté, pardon. 92% parce qu'en fait il reste un peu d'herbe par terre que je vais ramasser juste après. Donc de l'eau je viens d'en mettre, 9200 c'est plein, le foin et herbe il y en a encore besoin. Productivité, bon pour l'instant je suis à 0% parce que je viens de les remplir, hein, mais ça va vite grimper, laine 0%. Maintenant je vous montre, une laine ça coûte, vous vendez une laine, donc c'est là. Donc pour vendre une laine, voilà, 5563 euros la palette quoi. Donc ça vaut superbement le coup pour quelque chose qu'on s'occupe très peu quoi. Quand je dis très peu, c'est que en moins de 2-3 minutes quoi, vous avez fini de vous occuper des moutons quoi. Il y a vraiment rien de sorcier. Vous voyez, j'ai pris 30 secondes pour m'en occuper, vous gardez une tonne à eau. Si vous voulez pas stocker en silo comme ça pour le foin, ce que vous faites, c'est que vous achetez une grange. Donc une grange, vous allez la trouver dans les objets plaçables. Je vais vous montrer, objets plaçables. Vous achetez, voilà, une grange. Vous pouvez stocker la paille et le foin. Donc le foin pour les moutons, c'est parfait, vu qu'il leur faut que ça. Vous laissez une tonne à eau à côté. Au pire, vous rajoutez un bâtiment comme moi j'ai fait pour entreposer votre matériel. Une fois que ça c'est fait, vous avez rempli. Il vous faudra juste, on va dire, un Manitou pour charger les palettes. Du moins une chargeuse à palettes. Et l'affaire marche quoi. Et l'affaire roule. Il n'y a pas besoin de s'embêter midi 14h avec les moutons. Donc je trouve ça vraiment très très simple d'utilisation. Hein. C'est vraiment, vraiment sympa. Ça va super vite et c'est rentable à 200% quoi. Ils produisent rapidement de la laine. Moi c'est le plus rentable des animaux que j'ai pu voir, hein. Les vaches, il faut beaucoup de choses pour dire commencer à être rentable. Les moutons très peu et très rentables. Les cochons, il faut pas trop de bouffe, mais le problème c'est que c'est pas rentable terrible. Quand vous allez les vendre à l'abattoir, c'est pas rentable, même quasiment pas du tout par rapport à ce qu'on consomme. Quoi. Donc je trouvais ça super dommage. Alors que les moutons, vous voyez, les moutons en l'espace d'une journée et demie, va vous remplir deux palettes. Quoi. Donc deux palettes, vous prenez un plateau, vous chargez dessus, une fois chargé, voilà, vous faites à plein, ça peut vous coûter jusqu'à, suivant le prix, hein, le prix bouge souvent, mais moi je me suis vu vendre un plateau complet comme ça, à 50 000 le plateau quoi. Et le plateau il m'a fallu 2-3 jours de farming, donc 2-3 jours de jeu, hein, dans le jeu de farming pour dire d'arriver à vendre la laine. Donc c'est super rentable de jouer avec les moutons quoi. Si on veut se faire un peu de rentrée d'argent facilement, il faut des moutons, obligatoirement il faut des moutons, ça va super bien. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto rapide vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, abonnez-vous à la chaîne, un petit j'aime, un commentaire, et je vous dis à la prochaine avec Schizofaf. Allez, ciao, bonsoir.